Salut à tous, c'est Amin et bienvenue dans un nouveau parcours avec le nouveau taxi que vous avez sans doute vu sur la chaîne de la salle ce matin. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas la salle, on va faire un parcours. Parce que c'est vrai Ah que je ouais. n'avais pas custom de base. Et du coup, c'est la salle qui l'a custom avant moi. Et je savais pas du tout qu'on pouvait le faire en taxi, donc la vidéo n'était même pas prévue. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, il y a mon créateur qui m'a créé un parcours. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit, parcours avec le nouveau taxi, c'est stylé. Donc j'ai pas en taux, donc je sais pas si ça va être dur ou pas. Mais je pense qu'il y a moyen que ça soit dur parce que j'ai vu que les likes, voilà quoi. C'est pas trop ça. Ok. Alors du coup la salle, j'ai une question à te poser dans ce parcours. Hein. C'est quelle a été. Parce que c'est vrai quoi, j'ai oublié de dire aussi parce que c'était aussi ça. Quelle a été la salle, ta pire. On va pas. Comment je pourrais dire ça? Ta pire pas relation mais rencontre avec une fille. C'est ton pire moment, tu te dis ouais, plus jamais avec la meuf là quoi. Oula, ma pire en. Plus jamais avec la meuf là, c'est-à-dire. En Faut que tu gros, précises un peu. wow, je suis tombé. En gros, tu t'es ben, genre il y avait pas plus quoi, tu t'es dit ouais, c'est sûr, il y aura pas plus quoi. Ah ouais, on recommence d'ici. Il n'y aura pas plus quoi. En fait, t'as rencontré une fille et tu t'es dit, bon, bah voilà, c'est mon stop quoi, il n'y aura pas plus. Tu vois, t'as été à un Franchement. rencard et tu t'es dit, non, quoi, c'est pas possible quoi. C'était Dites-nous aussi dans les commentaires hein, votre pire rencontre avec une fille ou un gars, hein, parce qu'il y a des filles qui regardent les vidéos aussi. Et c'était quoi? Est-ce que c'était au lycée? non, c'est au Oh quartier. là là! Ouais, et? Bah, je suis arrivé, elle avait la clope au bec. Ouais. Elle puait de la gueule, mais violemment. Ah! Ouais. Et voilà, donc j'ai fait demi-tour en Ah 2-3 ouais, minutes. sérieux? Tu as dit bonjour quand Ouais. même, par respect. Ouais, bah justement, bah c'est comme ça que j'ai. Ah d'accord, ok, je comprends. En gros, t'as senti qu'il y avait anguille sous roche, quoi. Sous Gavroche, même, je dirais. Sous cabri. Ok, d'accord. Et bah, tu sais quoi? C'est. Bah, moi, c'est à peu près pareil que toi. Donc, c'était une fille en fait qui était vraiment très belle. C'était une blonde, je me rappelle. Elle était très belle, très très belle, rien à dire. Et moi, j'aime pas, tu sais, j'aime pas les clubs, quoi. Oh là là, mais comment on passe ici? Et donc du coup, je vais au rencard. Et bon, bah voilà, bah, on se parlait bien, tu sais, par message et tout. C'était genre, tu connais, déjà c'était au collège. Donc tu vois, au collège, on n'a pas la même Ouais. mentalité. Donc tu vois, ça se dit des mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ah! La honte, j'ai honte. Tu vois, ouais, t'es belle. C'était vraiment. Disquette mais pas disquette tu vois genre c'est vraiment c'était sincère quoi Ouais. donc elle était très très belle attends comment on passe ici comme ça voilà ok donc du coup je suis pas juste ici parce que c'est vrai que j'arrête pas de tomber en fait oh il y en a un deuxième ok bon faut que je me concentre. C'est. Je trouve que c'est. Enfin. Alors moi je galère, tu sais, au C'est parabole. un parc. Ouais. Les C'est paraboles un me font parcours hard, stresser. ça, pour toi, non? Ouais, bah oui, bah moi je galère. Hein. D'accord. Je me disais, ouais, c'est. Ok, c'est bon, je suis passé. Ok, je passe juste le premier point et je raconte la fin de l'histoire. C'est bon. Ok, ça fait plaisir. Ouais, donc du coup, bref, on s'aimait bien, tout ça, tout ça. Et donc, je vais au rencard, tout. Et tu sais, c'était. Tu vois la passerelle? Ouais. Voilà, en fait, elle était au collège juste à côté, tu vois. Et moi, j'étais pas au collège là. Donc, du coup, on se voit, tout ça, je vais la chercher au collège, tu vois. Comme un gentleman, tu vois, c'est la sortie des cours.
Parce qu'en fait, je finissais plus tôt, elle finissait à 16h, moi je finissais à 15h. Bon, bref, je vais la chercher. Quand j'arrive à chercher, tout, bah, voilà, au début, on s'embrasse pas, tu vois. Donc, on se fait la bise, tout ça, bah, tu sais, parce que les premières rencarts, on s'embrasse toujours, tu vois, au milieu, genre, où on va faire un tour, on s'embrasse sur un banc, tu vois ce que je veux dire, tu sais, vraiment gentleman, quoi. Ouais. Donc, du coup, on va, bah, voilà, je vais la chercher, tout, puis on se dirige vers le bosquet, tu sais, t'as le bosquet. Ok, et donc on va au bosquet, et arrivé au bosquet, bref, on s'assoit sur un banc, tout ça, et puis là, je l'embrasse. Sauf qu'en fait, elle avait fumé avant. En fait, je savais pas qu'elle fumait, tu vois. Et donc elle a fumé avant qu'on s'embrasse, Ça sentait un peu le et quand caca. je l'ai embrassée, j'ai Ça sentait un peu senti le l'odeur de la clope, ça sentait le caca, voilà, tu vois, le caca. moisi, tu vois, vraiment le fin de clope. Ouais, c'est son odeur de bouche mélangée à la cigarette, c'est ça qui donne Voilà. une odeur de caca. Horrible, mais quand je te dis horrible, vraiment horrible. Wow. C'est chaud ici. Par contre, finis pas. Ouais, horrible. Et c'était ouais, c'était horrible. Et donc, du coup, c'était dégueulasse en fait. J'ai fait, tu vois, en fait, je lui ai pas dit, tu vois, directement. En fait, c'était Ouais. vraiment dégueulasse, tu vois, mais vraiment horrible. Mais j'étais choqué, parce que c'était la première fois que j'embrassais une fille qui fumait, tu vois. Parce que j'avais, bah Ouais. voilà, tu sais, elle était jeune, en plus elle fumait, tu vois, alors qu'elle avait, je sais pas quel âge. Moi, tu sais, j'ai jamais fumé de ma vie. Hein. Mais ça, c'était vraiment dégueulasse. Donc, du coup, bah, tu doutes bien que bah, il n'y a pas eu de suite, quoi. J'ai préféré la quitter, quoi. Même si elle était belle, enfin, ça pouvait être. N'importe qui, tu vois. Elle était vraiment très très belle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je sais pas si tu te souviens dans le clash contre Boubou. Ouais. À un moment donné, je dis ouais, Boubou, tu prends les restes des meufs, tu vois. Et en fait, Boubou est Ouais. sorti quelques semaines après avec, quoi. Voilà, Mmh. donc c'est pour ça que j'ai dit Tout tout s'explique. s'explique, voilà. Moi, je suis passé d'un coup là, je viens d'enchaîner un truc là, ça c'était magnifique. C'était beau. Donc voilà un peu l'histoire de cette meuf que j'ai un peu raconté dans le clash de la salle où je me suis clashé contre Boubou. C'était cette fameuse fille, quoi. Wow, par contre, ça drift ici. Et Par du contre, le coup, t'as nouveau plus de taxi est nouvelles d'elle. magnifique. Si, si, bah, elle sort avec, tu vois, tu connais, bah, je sais pas si je vois, le pote de Karim, là. Tu vois lequel Karim? Il n'y en a qu'un, quoi. Oula, Bon, en non. gros, voilà, Franck, il s'appelle Franck, le gars. Ok. Tu vois, c'est qui? Le Ah, le gymnaste. gymnaste. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, ils sortent ensemble. Wouah, j'ai failli finir. C'est bon, je me suis arrêté juste devant. Et avec le véhicule là, c'est chaud de s'arrêter. Je suis en train d'enchaîner le parcours, là. Au début, j'ai galéré, je sais pas pourquoi. Et donc, ah ouais, d'accord, point final. Et donc, ouais, c'est vrai qu'une fille qui fume. C'était vraiment dégueulasse. Après, bon, t'as des filles qui fument, puis après qui prennent un chewing-gum après, mais elle avait pas pris de chewing-gum. Donc c'est vrai que c'était dégueulasse. Et je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu le cas dans les commentaires, mais quand tu fumes pas, quoi, c'est. En plus, j'avais mis la langue, et c'était ça qui m'avait trahi, tu vois. Ouais. Parce que embrasser en soi, voilà, t'embrasses les lèvres, ça va, tu vois. Mais quand tu mets la langue, c'est autre chose, quoi. Allez, t'y es presque. En train de faire le parcours, t'inquiète pas, la salle, j'enchaîne plutôt bien. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai galéré au début. Honnêtement, en fait, c'était un peu le stress des paraboles qui tournaient. Mais on va dire que je me suis rattrapé. Voilà, tu peux y aller, la salle. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je suis là, là derrière toi, tu me vois? Ouais, je te vois. Bah, je t'attends. Bah, avance, je peux pas avancer. Bah, je reste là. Allez. Si tu me pousses et je tombe, je dois tout recommencer. Donc, Non, non, je vais te profite. pousser. Profite. Allez. Allez, avance. J'ai des clients à ramener là.
C'est à ça que tu veux faire tomber ta force. Ah. Voilà. Ok. Ah ouais, faut recommencer d'ici. Oh shit. And the winner is Unwin. Mais bon, c'est que c'est la salle en vérité. Écoute, 10 minutes pour finir le parcours. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus compliqué, mais ça va. Je suis assez content de moi. Ah, en même temps, le véhicule il vient de sortir, le gars il vient de créer le parcours, je pense qu'il a pas eu le temps de faire plus compliqué. Ouais, non, bah non, mais franchement, il était pas très très bien noté. Après, je pense que les gens ils ont ragé au niveau, tu sais, de la parabole au début. Parce que j'ai mis quand même 3 Ah, minutes peut-être. à passer ce truc. Bah écoute, c'était pas mal, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au bye, au bye, au bye.